www.tolobelavie.com. TOLOBELAVIE.com. Allez, bonjour, bonjour tout le monde. Là, on est à Lubumbashi. Sincèrement, désolé pour toutes les personnes qui sont venues accueillir Mafa, Premier Moussi et autres. Mais ça a accéléré énormément. Donc, comme vous voulez, comme vous voyez, on avait réservé tous les véhicules. Ça, c'était même la Cayenne pour le président, vous voyez, en fait. Mais ce qui est arrivé est que le président Moïse est arrivé avec son véhicule et voilà. Et donc, il a convié le président et il a convié aussi le premier Mousito directement. Donc, ils sont montés dans sa voiture. Là nous sommes devant la barrière. Nous sommes arrivés chez le président Moïse. Ça, on est devant, on vient d'arriver, donc le véhicule du président est entré. Moi, je voulais juste vous montrer un peu ça. Donc, le véhicule du président est entré. Bah, je veux dire, le véhicule de monsieur Moïse est entré. C'est bon? Donc, je vais. Moi? Ok, faut m'attendre. Attends. Bon, là, je vais devoir vous faire vivre ça. Pardon? Est-ce que je peux entrer? Qui est là? Je peux entrer ou pas? On peut parler. Yannick. Faut que j'appelle. Non. Bon, Yannick a continué. Non, c'est bon. Moi, je vais appeler moi. Faut que j'appelle Mwando. Mais bah, j'ai pas le choix. Bon. J'appelle Mwando. J'appelle l'honorable Mwando. Donc, voilà, là on est devant la, comme je l'ai dit, on est devant la parcelle de. Président Moïse. Là, on a qu'une voiture, après je vais l'appeler. Non, la car. Donc. Jusqu'à là tout se passe bien. J'ai dit, du moins jusqu'à là tout se passe bien. Il n'y a pas de problème. Je tiens à rassurer tout le monde et à dire merci à toute la diaspora. Maintenant, la réunion va devoir commencer. Le CG. Oui, SCG. Est avec moi. Oui, il faut pas t'en aller. SP Senga. Dynamique d'opposition est avec moi là, donc en principe, jusqu'à là tout se passe bien, on va devoir ouvrir la porte dans pas très longtemps et les choses vont se passer. Donc je voulais quand même vous faire vivre cette partie pour vous dire que, rassurez-vous, votre président est bien arrivé à Lubumbashi. Vous voyez tous les véhicules, le véhicule qu'on avait réservé pour lui, pour le premier Mousito, tout ça. Des dizaines, plein de gens qui sont venus. Malheureusement, monsieur, bon, heureusement je vais dire, ou malheureusement, bon bref, on n'a pas su vous faire vivre cela. Parce que monsieur, le président Katumbi, le coordonnateur de la Mouka, est arrivé à l'aéroport lui-même pour chercher ses amis, ses collaborateurs, comme vous le savez, pour voilà. Donc là, on est devant la barrière du président Moïse. Donc normalement, c'est le véhicule du président Moïse qui est entré. Moi, j'étais juste derrière et malheureusement, on a fermé. Ça, c'est totalement logique. Il n'y a pas de problème. Donc là, tout à l'heure, on va devoir nous ouvrir les temps qui se mettent bien, qui se posent bien. Vous voyez, comme il y a beaucoup de gens, on ne peut pas. Il y a beaucoup de voitures, toute l'avenue est totalement bloquée. Nous ne pouvons pas nous permettre, ils ne peuvent pas se permettre d'ouvrir la porte, parce que s'ils ouvrent la porte, c'est vraiment une masse importante qui va entrer dans la parcelle et ça ne va pas. Donc je peux bien appeler l'honorable Mwando Simba, la porte va s'ouvrir, ou l'honorable Chérubin, ou tous nos gens qui sont à l'intérieur. Il n'y a pas de problème, on n'a pas enlevé le président. Désolé pour les gens qui nous ont vus accélérer presque à 100 ou à 130 à l'heure, mais c'est parce que...
mais c'est parce que, comment je peux dire, à un moment donné, parce que c'est sûr que si on était venu à 30 à l'heure comme on était sorti de l'aéroport, je crois que la ville, tellement de louchois qui attendaient le président aujourd'hui, les gens sont déçus. Parce qu'en même temps, quand le véhicule du président Moïse accélère, les gens ne se rendent pas compte que Mafa est dedans, que le premier Moudibo est dedans. Mais le plus important est qu'ils sont bien arrivés. Moi, je suis là depuis hier, comme vous le savez, pour tenter de préparer les choses. Et là, comme ça, vous voyez, c'est la barrière. C'est la barrière. Là, vous avez les gens de ce côté-là, il y a plein de choses. Donc, je vous ai dit, rassurez-vous, tout est normal. Si c'est le véhicule du propriétaire de la parcelle qui est entré, moi, mon véhicule était juste derrière le président. Je vous ai dit qu'on avait déjà apprêté les véhicules. On avait des véhicules pour le président, pour tous les collaborateurs. Et on avait aussi le véhicule pour le premier et autres. Mais quand même, on m'avait dit qu'il y avait éventualité ou probabilité que le président Moïse lui-même se déplace pour l'aéroport et que je ne devrais pas tout organiser de manière à prendre le président. Il me fallait avoir cette marge de manœuvre. Donc dans l'organisation, j'avais très bien intégré le côté où le président Moïse venait chercher. Donc c'est ce qui s'est passé et c'est l'essentiel. Donc je vous dis encore... merci. Et on va attendre, la réunion des leaders se tiendra bien. Effectivement, le président Jean-Pierre, que beaucoup de militants aussi de MLC voulaient voir aujourd'hui, n'a pas pu venir. Problème technique comme c'est évoqué. Et donc dans cet ordre d'idées, il y a maman Eve qui était venue avant, mais sinon, normalement, le président Bemba était prévu jusqu'à 11h. Il n'y a pas encore de coup de fil. Le reste, je crois qu'il y aura un communiqué officiel venant de MLC pour expliquer. Mais sinon, la réunion des leaders va réellement s'éteindre et nous espérons dans des bonnes conditions. La cellule politique a déjà fait son rôle. La cellule politique a énormément travaillé, plus d'une semaine. La cellule politique a pour mission de baliser le terrain, c'est-à-dire de discuter déjà de thèmes, l'ordre du jour, de même proposer les ébauches pour le communiqué final. Donc les leaders ne viendront que faire ce qu'il y a à faire au finish. Donc on vous dit merci. On n'est pas venu ici, c'était pas, on n'est pas venu en meeting. Vous savez, c'est une convocation de réunion, c'est prévu dans la charte, enfin la MUCA, je crois que c'est l'article 10. C'est comme ça que c'est prévu. Donc il n'y a pratiquement pas de problème. Donc cette réunion a été convoquée. Et donc dans cet ordre d'idées, tout se passe très bien. Merci encore. Les gens sont... Et là où je suis, je ne peux plus tout vous prendre. Mais l'essentiel était de vous faire vivre ces petits moments et de vous dire que tout va bien. Si tout se passe bien, il y aura un communiqué final. Et si le communiqué final se passe, donc les choses iront très bien. Et donc en principe, il peut y avoir passation au pouvoir entre le président Moïse et éventuellement le président Bemba qui est à ce moment, on peut facilement dire, représenté par Madame Eve, si je ne me trompe pas, parce que j'étais avec Madame Eve. Et donc dans ces cas, tout va très bien. Alors, merci beaucoup. Gardons contact et on va faire des choses très bien. Les nôtres sont toujours là. Donc voilà. Merci encore, c'était un plaisir. Donc on est là et je vous ferai encore la suite si les choses... là, je quitte la porte pour aller vers le véhicule. Voilà, merci encore. Bonjour tout le monde. J'espère que ça va partout dans le monde. Là, on est à Lubumbashi en fait. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le président élu, l'avion vient d'atterrir. Je crois qu'il est avec le... Attends, je vous montre ça parce qu'on est pratiquement en mode tarmac. Je vous montre quelques visages comme ça là, avant la cata.
Masna Ziobien, quel farceur. Mais juste ça là. Oui. Mais là, on a commencé à vous parler chez les Congos. C'est là où il va les voir. C'est là où il va les voir. Voilà. D'accord. Baron, bon, c'était bien. Alors, il y a l'honorable qui est là. Bonjour. Eh, ça passe mondialement. Hein. Honorable Nzang, comment ça va? Ça va? Ok. D'accord, donc. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, je ne vais pas rester très très longtemps en mode direct. Je vais montrer un peu l'ambiance extérieure là-bas. Enfin, on est du côté. C'est même pas le côté officiel, c'est encore le côté un peu plus compliqué. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Et donc, ils ont parqué les gens là-bas à l'extérieur. Ouais, je sais que le président est en train de sortir, mais moi je ne vais pas rester longtemps. Enfin, oui. Tiens comme ça pour filmer juste un peu. Oui. Alors, allons là-bas. Mais, le vieux là-bas. Le problème est que je n'ai pas été bouffé par un autre. Qui ne m'a pas. Il y a le belote. Tu sais, non, mais c'est. Peut s'incruster et le reste, on va devoir revoir. C'est là-bas qu'il faut que tu fasses. Voilà. On filme ou quoi? Oui, oui, c'est bon. Je peux. Filme. Oui, le président est là. C'est là-bas les caméramènes, vous aussi. www.tolobelavie.com TOLOBELAVIE.com